Question 2, la ligne de la formule for area of trapezium, ligne de la area of trapezium, sous formule. Right, je connais si c'est un trapezium. Ok, n'est pas un trapezium. Nous finissons faire la mensuration 2D. C'est un trapezium. Il y a un parallèle, il y a un quadrilatéral qui a two, one pair of opposite, one pair of parallel sides, ok, qui des opposite sides, un seul pair qui est parallèle. Là-dedans, si ici de sa cala, il peut mettre un side là, C, un side là, D, et sur perpendicular height, c'est 10H. Ok, comment nous avons area of A, area, A là, il peut représenter area, area of A parallélogramme, of A trapezium, sorry, qui était dit half, sum of parallel sides, ou ajoute ça de là, C plus D. Et là, on multiplie li par sur perpendicular height, li H. En fait, il finit de ta formule là, là, là. Area égale half, il met sa H là avant, half H fois sum of parallel sides. Kidding, data find an expression for C in terms of A, H and D. Vous allez peut-être faire C in subject of formula là. Alors nous récréons expression là qui était comme ça, dit half. Nous récréons, nous mettons ça côté droite là avant. Half H, C plus D égale A. Ok, right? Allez, end point. Get là. Half, il peut fois avec H et il peut fois avec ça C plus D là. Nous allons prendre ça half là avant de l'autre côté. Qui pour rester ici, H fois C plus D. Pour égal, là-bas qui est pour venir, il vient A divisé par half. Parce que half, tu peux multiplier ici. Next, A divisé par half qui peut arriver. A divisé par half, il vient A multiplié par 2 lo n. Il vient A fois 2 fait à 2A lo n. Nous allons mettre ça lo n. A fois 2 fait 2A. Lo n qui fait à 2A. Right? Veut dire ici, il vient 2A. Là-bas, là, il vient H fois C plus D. Right? Et là, ça H là, on va avoir de l'autre côté. Qui pour rester ici, C plus D égale. 2a, h là il peut multiplier ou avoir à droite il peut diviser par h. Et là, next, il peut continuer ici. Rappelle bien, j'ai fait c, c'est un subject of formula. Je vais faire ça, c'est là, c'est là, positif 2, je vais avoir à droite. Il peut venir c égale 2a, l'oh, positif 2, je vais avoir à droite, il peut venir. Il peut venir négatif 2. Allez là, ça c'est mon fin de faire c, c'est un subject of formula. C, il peut 2a, l'oh, retirer d. Ok, ça c'est la première partie. Next, ça c'est le diatoire. The diagram shows a trapezium, get a bit of a trapezium, with dimension in centimeters. Tout ça va une dimension qui peut être 8 cm, 4 cm, 6 cm. The perpendicular distance between the parallel lines, sa perpendicular height line, d'une doigt 4, get it là, 4 cm. The area of the trapezium is 22 cm square. Right, si nous servons sa formule là ou là, area égale half fois h plus fois sum of parallel sides. Ici, à côté de la route, ça c'est là. Nous n'avons pas servi sa formule que c'est des un subject of formula là. C'est c égale 2a lo h retiré d. Mais déjà, ça c'est qui manque là. Il peut égale 2 fois a c'est area sa trapezium là qui nous donne toi. A c'est area sa trapezium là qui nous donne toi 22. Lo h, h qui était ici, h c'est le perpendicular height de 4. Retirer D, c'est la l'autre parallèle, ça la C avec tout à l'heure 8. Ok, à cause où vous avez servi calculatrice, vous pouvez servir un peu de temps, soit ou même vous avez travaillé, c'est facile, ça va être divisé par 2 n, divisé par 2 fait 2, next divisé par 2 fait n, ici divine 11, dès que 11 retire 8 fait 3, ça veut dire ici divine 3, ça veut dire valer c'est la divine 3 ou soit 3 cm. Ok, je vais vous donner ce valier, ça veut dire ici tu peux trouver. Qui C pour 23. Vous bien qu'il y ait une fin, nous finissons par 2 fois A, divisé par H, nous remplaçons ce valet, nous simplifions, ou tu peux évaluer ça direct de la calculatrice, ou pour gagner une réponse à 3 même. Ok, ça veut dire C, ce valet, il vient 3 de la deuxième partie. Ok, next, ça c'était dans la partie B. Partie B, si nous observons la question là, ça c'était une question low bounds, lower bound, upper bounds, ça aussi nous finissons faire. Right, là, nous finissons couvrir la plupart syllabus, nous avons des chapitres qui restent, nous pouvons couvrir les que nous besoin. Ok, mais toujours nous allons travailler même papier l'examen. In the diagram, the shaded area, moi, une question pareille, nous travaillons. The shaded area represents a rectangular picture frame. Je veux dire, ça, c'est un picture frame. Ici, tu peux mettre un picture, tu peux mettre une photo qui peut encadrer avec sa frame couleur gris que tu peux trouver là. The outer rectangle, ce dimension de 30 par 20. Et que sa inner rectangle là, sa rectangle en général, il 26 par 14. All measurements are given to the nearest centimeter. Veux dire, tu savais une valeur là, il y a un centimètre. Celle-là, il y a 32 centimètres. Veux dire, il n'y a pas valeur exacte, nous n'avons pas besoin de rentrer sur le lower bound et upper bound. Veux dire, nous prenons une petite plume ici. Veux dire, sa dimension 32 là, nous n'avons pas besoin de servir sa valeur là. Nous avons besoin de servir sur le lower bound et upper bound là-dedans. Et nous allons calculer. Celle-là, la valeur là, il y a 32 centimètres.
32 cm, mais il est toujours nearest centimeter. Il finit à nearest centimeter. Ça veut dire là, il est toujours nearest centimeter. Tout ça va mesurer là, il est toujours nearest centimeter. De là, pour te gagner de l'eau avant, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Nearest centimeter, c'est 1 cm. Tu prends 32, tu retires 4, il est 1 divisé par 2, qui peut faire toi, Vin? 31,5 cm. Next to upper bound qui vous venez, 32, nous prenons sa valeur là, nous ajoutons à la valeur K ici, N divisé par 2 divine, 32,5 cm. Veut dire que le lower bound qui te pour servir ici, c'est 31,5 cm. Et que le upper bound qui peut être 32,5 cm. Ok, je te fais pareil pour tout ça, une valeur là. Ok, comment m'en expliquer? 32 cm, nous finissons faire ce chapitre là. Ça n'a 20 cm, tu as nearest 1 cm. Alors, calculer sur le lower bound et upper bound. De vous trouver, nous pas pour servir sa valeur là, lower bound là, tu peux trouver, 19,5 cm, sur so upper bound, 20,5 cm. Ça, je vais calculer, à checker. Next, sa valeur là aussi, j'ai sa mesure là, ici, toujours nearest centimeter, c'est-à-dire, il y a un approximate value. Nous pouvons sur le lower bound et upper bound pour travailler, sur le lower bound, je peux trouver, 25,5 cm, sur so upper bound, 26,5 cm. Et que sa dernière valeur là, pareil, 14, que tu peux mettre ici. Pareil, sa mesure mentale n'est pas exact ça, il est approximé tous les nearest centimeter. Alors nous pouvons travailler avec ce lower bound. Ce lower bound pour 13,5 cm et ce upper bound pour 14,5 cm. À ce nous travail. Question est de calculer le lower bound of the perimeter of the outer rectangle. C'est ça, outer rectangle là. Ce gros rectangle de haut là. Qui est supposé 32 cm par 20 cm. Right là. Je vais vous servir ça des valeurs là, je vais travailler avec ce lower bound, upper bound. Mais je vais sur le périmètre. Comment je disais tout le temps quand je disais une question, écris cette formule là-bas. Comment tu peux faire un périmètre? Tu peux faire des fois length plus des fois width. À ce moment-là, je vais demander sur le lower bound. Ça va être lisse, ça va être lower bound of périmètre. Ça veut dire que je veux un petit périmètre. Pour moi, un petit périmètre, je peux faire sum. Je vais prendre L sur smallest. Plus deux fois 8 fly. Si je prends ce smallest, là, comme je prends petit valet, ajoute à petit valet, je prends petit périmètre. Ok, là, il vient deux fois. Ça, elle là, qui c'est petit valet, 32 là, il est 31,5. Plus deux fois 8 fly sur petit valet, 20 là, petit valet, il est 19,5. Ok, ça, il vous vient 19,5. Là, c'est tout cas évalué, c'est tout cas calculatrice. Nous regardons qui il vous venez. Si je servis mon calculatrice, passez papier de haut, car c'est 20 pédé temps. 2 fois 31,5 plus 2 fois 19,5. Je peux trouver qu'il nous gagne 102. J'ai déjà répondu à vous, 102 cm. Right, next, nous get deuxième partie. Deuxième partie, nous avons calculé the upper bound of the area of the frame. Get bien, il demande toi, area sa frame là. Pour gagner area sa frame là, nous avons besoin de prendre area sa gros rectangle là, quand c'est surface découvert. Nous retirons area sa petit rectangle là, là qui te gagne sa area sa frame là. Alors, pour gagner ça, area qui est perdu là, qui nous peut faire? Nous pouvons prendre area of big rectangle. Big rectangle. Nous pouvons retirer area of small rectangle. Small rectangle. Right? Qui est pour venir? Ça pour gagner ça, area of frame là. Hein? Pour gagner area of frame. Ça qui nous peut besoin faire. Right? Area of big rectangle, nous pouvons prendre sur length, nous pouvons faire sur width. Mettez dans une bracket. Retire area of small rectangle, il nous prend ce petit length fois ce width. Ok? Il y a bien l'idée différente là pour gros rectangle et petit rectangle là. À ce moment-là, je vais mettre upper bound of area of frame. Veut dire, moi, on veut plus gros. Right là, upper bound veut dire plus gros valeur. Quand nous pouvons retirer, faire subtraction. Comment nous faisons subtraction? Veut dire, moi, on peut upper bound là. Upper bound of area of frame. Of area of frame. Quand nous roule upper bound, quand on peut faire subtraction, on prend gros valeur et petit valeur. C'est-à-dire ici, on prend tout un gros valeur. Big, on prend gros fois gros. Pour avoir un gros product ici. Ici, on fait petit. Petit, small length fois width, so smallest. C'est-à-dire qu'il est bien là. Ça veut dire area of big rectangle. On va prendre tous les deux gros valeurs pour gros rectangle là. Gros rectangle là, ce gros length fli 32,5, ce gros width fli 20,5. 32,5 fois 20,5. Ici, il y a 32,5 fois 20,5. Ici, nous pourrions retirer ce petit rectangle là, ce petit length avec ce petit width. Ce petit length fli 25,5, ce petit width fli 13,5. Alors, ici, il y a 25,5 fois 13,5. Là, tu es capable d'évaluer que tu peux gagner un petit 3 points. Il vaut la peine. Ok, right, c'est qu'il comprend le lower bound, upper bound, il y a un petit point, ça là. 32,5 fois 20,5, retirer
Ici, on a 25,5. Nous fois li avec 13,5. On va trouver la réponse de 322. OK? Je vais dire que c'est 322 cm². OK?